Anto? Anto, est-ce que tu m'entends? Maman? Sylvain m'a reconnu. Je suis où, là? T'es à l'hôpital, mon loup. T'es tombé, puis tu t'es cogné la tête. Content de voir que c'est pas trop grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce que t'as fait. On t'a retrouvé inconscient dans le sous-sol. Je m'en rappelle plus de rien. Inquiète-toi pas. Le docteur dit que le coup a été assez fort pour que tu puisses avoir des pertes de mémoire, mais que c'est normal. Tu vas te rétablir d'ici quelques jours. On va prendre soin de toi, tu vas voir. Ça fait mal en crisse. Mais ça, pas trop, là. Hein? Faut que je retourne travailler. Oui, enquêteur Simon. Sylvain? Puis ton fils, lui? Attends une minute. Mais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, Martine? Check-le, il est correct. Hein? C'est bon. Ouais. Ouais, OK, j'arrive au poste dans 15 minutes. Attendez-moi. OK. Sérieux, merci d'être venu me chercher. J'étais plus capable. Ben, c'est carré, Anto. Anyway, c'est toi qui payes le gaz? Non. Un café pis date, ça. Come on, là. Tu me dois au moins un déjeuner. Oh, ouais, man. Ah, j'ai faim, là. Et on va chez Ben et Florentine. Lequel? Ben, voyons, attends. Celui sur ma sœur. Bonjour, une table pour deux? Ouais. Tu trouvais pas bizarre? Ben, je sais pas, là, elle fait sa job. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci, toi? Ouais, ça va bien, merci. Un petit café pour commencer? Ouais. Puis, dans le fond, je vais prendre comme d'habitude. Excuse-moi, c'est parce que je sais pas ce que tu prends d'habitude. Ben, le classique, avec extra bacon. Ah, OK. Pain blanc, pain brun? Voyons, pain blanc. Et pour toi, ça va être quoi? Je vais prendre la même chose. OK. Pain blanc ou pain brun? Pain blanc. OK. Ah oui, excuse-moi. Oui? Est-ce que Eve travaille aujourd'hui? Désolée, il y a pas de Eve qui travaille ici. C'est qui, Eve? Evelyne? OK. Evelyne, ma sœur. T'es-tu correct? Non, c'est quoi le problème, là? Hey, t'es bizarre. C'était pas une bonne idée de venir ici. Excuse-moi, laisse faire les commandes, on s'en va. C'est quoi, là? C'est vraiment pas drôle! Tom! Oh, là! Hein, qu'est-ce que tu fais? T'y attends? C'était quoi, ça? De quoi tu parles? C'est quoi le but d'agir comme si on venait toujours ici? Non. C'est toi qui fais comme si tu te rappelais plus de rien. Pourquoi t'inventes des affaires?
Voyons, Asti, c'est ton ami aussi. OK. Je sais pas de qui tu parles, Anto. Arrête, là. Je te parle de ma sœur, Thomas. T'en as pas de sœur. Allô, vous deux? Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Non, ma, c'est pas le temps. Là. Thomas, il pense que... Martine, je sais pas ce qu'il prend. On est allé déjeuner. Non, ma, écoute-moi. Thomas a un problème. Il se rappelle plus d'Evelyne. De qui? Ta fille, Evelyne? Il me sent ça depuis tantôt. Je sais plus quoi faire. Mais voyons. C'est quoi le problème, là? C'est pas des jokes à faire, ça. Je trouve vraiment pas ça drôle. Anthony, je comprends pas. Je comprends pas ce que t'essaies de me dire. Voyons, maman. Je te parle de ma soeur jumelle, Calice. Calme-toi. Calme-toi. Non! Non! Regarde, viens voir. Tu vois? Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je voie? Evelyne! Evelyne, maman! Ta fille, ma sœur! Anthony! Anthony, attends! Anthony! Attends, s'il te plaît! Ah, fais-tu la game? Tu l'as vu autant que moi? Il mange plus, il bouge plus, il vit plus, vierge. Oui, je suis d'accord. Mais je pense pas qu'on en soit rendu là. Ça fait 2 semaines. On n'a plus le choix. Puis j'ai déjà vu ça. Puis c'est grave. En plus, ça devient dangereux. Pour lui, puis pour nous autres. Vous avez autant que moi. Il devient agressif quand on lui parle. Voyons donc. Qu'est-ce que tu dis là? C'est de notre fils dont tu parles. C'est pas un de tes criminels. Il oserait jamais nous faire du mal.
n'est plus lui-même. C'est pas mon fils, ça. Martine. Faut le faire. J'espère que tu es bien conscient de la portée du geste que tu veux poser. Parce que c'est nous tous que ça concerne. L'effet papillon. Quelqu'un connaît-il cette expression? Un proverbe rimé, popularisé par Benjamin Franklin, exprime très bien cette théorie. À cause du clou, le fer fut perdu. À cause du fer, le cheval fut perdu. À cause du cheval, le cavalier fut perdu. À cause du cavalier, le message fut perdu. À cause du message, la bataille fut perdue. À cause de la bataille, la guerre fut perdue. Et à cause de la guerre, notre liberté fut perdue. Tout cela à cause d'un simple clou, conclut le proverbe. Vous avez tous lu, j'imagine, cet excellent livre. La part de l'autre. L'auteur y pose une question. Qu'est-ce qui se serait passé si Hitler avait été accepté aux Beaux-Arts? Si cet homme n'avait jamais pris le pouvoir et qu'il était devenu peintre? Dans l'optique de la physique quantique, un monde comme celui-là pourrait bel et bien exister en ce moment même, dans notre temps. Seul l'espace serait différent. Il existe donc, théoriquement, une infinité d'univers issus d'une infinité de choix. C'est ici que s'achève notre rencontre avec les univers parallèles. Si vous voulez poser le sujet, vous pouvez visiter mon site web. Je laisserai l'adresse à notre professeur. Je vous remercie tous de votre attention. Thank you.
Où, Anthony? Quoi? Ouvre la porte. Il faut qu'on te parle, ta mère puis moi. Je suis occupé, papa. S'il te plaît, ouvre la porte, c'est important. Entre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas bien, Anthony. Puis, ben nous autres, on a peur pour toi. Depuis quelque temps, t'es plus le même gars. On te reconnaît plus. Pis c'est pas en restant enfermé dans ta chambre que tu vas t'en sortir. On connaît un endroit où il y a des gens très bien. Des spécialistes qui... Des spécialistes de quoi? De moi? Des spécialistes de ce que t'as, Anthony. Qu'est-ce que j'ai? Hein? Vous savez pas ce que j'ai? Vous savez pas ce que je vis? T'es complètement déconnecté de la réalité. T'es pris dans ton monde. Parce que tu l'es pas, toi, pris dans ton monde, peut-être. T'es jamais là. Comment tu peux le savoir, ce qui est bon pour moi? Justement. Je le sais pas. Mais, à l'Institut... Quel institut? À l'Institut psychiatrique. Le temps que tu fasses le ménage dans ta tête. C'est quoi? Tu penses que je suis fou? Que j'ai tout inventé ça? Toi, tu veux m'enfermer, c'est ça? Hey, on fait ça pour ton bien. Tu peux pas comprendre. J'irai pas dans ton place de malade mentale. Hey, calme-toi, là. Puis parle-moi plus. Je vais à ce ton-là! Sylvain! Empire pas les choses, là. T'en as assez dit. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Tu m'entends? Raison.
Comment décrirais-tu tes deux premières semaines ici? Comment vous pensez que je me sens? C'est à toi de me le dire, Anthony. Je sais pas trop. Je comprends pas encore. Tu comprends pas pourquoi on t'a interné? Non. Ça, j'ai... Je sais que j'ai un problème. Bien. Tes parents le savaient aussi. C'est pour ça qu'ils t'ont amené à l'Institut. Comment vois-tu ta relation avec eux maintenant? C'est tough. Je sais qu'ils ont fait ça pour mon bien. En tout cas, ma mère. Ta mère. Et ton père? Non. Lui, il l'a fait par obligation. Dans le fond, il s'en calisse. Bon. Et Evelyne? Ça va. Salut. Salut. Ça va? Pas vraiment, non. Je t'ai apporté des comics pour passer le temps. Je sais pas si je peux faire de quoi, là, mais... Je suis là, OK? Ça... Ta cicatrice. Tu m'as-tu déjà dit comment tu l'as eu? Je me suis fait ça quand j'étais petit, là. Je m'en souviens plus vraiment. Non, ça, c'est ce que tu disais avant. De quoi, avant? Tu t'en veux encore, hein? La vraie raison pourquoi t'as changé d'école. Le rejet, le regret, la honte. Puis je te comprends. Après avoir envoyé une fille aux soins intensifs, parce que t'étais sous au volant, moi aussi je m'en serais voulu. Ça n'a pas été facile, mais t'as fini par nous en parler. Sauf que c'est grâce à elle si t'as réussi à te pardonner. Sans elle, tu ne nous l'aurais jamais dit. Tu me l'as jamais dit, hein? Comment je le sais? C'est terminé. Bonsoir, Anthony. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Quand t'es parti tout à l'heure, j'ai eu la chance de parler avec Thomas. Me semblait troublé par votre rencontre. Ben, ça doit être assez troublant de voir son meilleur ami à l'asile. Thomas m'a raconté que tu lui avais reparlé de ta sœur, ce qui est assez étonnant. Parce que depuis ta prise de médicaments, tu nous avais confirmé que t'allais mieux. Ben, je vais mieux. Les résultats de la prise de sang sont négatifs. T'as pas pris tes médicaments, Anthony. Et puis avec raison.
Je sais que je suis pas fou, j'ai parlé à Thomas. Allez demander, il va vous dire. Non, Anthony, là, t'es en train de faire une rechute, ok? Tu vas te calmer parce que sinon on va utiliser la force pour te contrôler. Reste chez toi! Salut. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que je vous dérange ou... Non. C'est à quel sujet? J'ai assisté à une de vos conférences. Je vous ai écrit un courriel. Je voulais qu'on se rencontre, j'avais des questions. Yes, yes. Anthony, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon. Eh bien, je t'avais répondu qu'on pouvait se fixer un rendez-vous. Mais puisque tu es là, entre. Merci. Est-ce que tu voudrais boire quelque chose? Un verre d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Je te prépare ça, ce ne sera pas long. Je dois dire, Anthony, que ton courriel m'a plutôt surpris. C'est très rare qu'un étudiant veuille me reparler d'une de mes conférences. Ouais, j'imagine. Je peux t'installer au canapé, j'arrive tout de suite. Ok. Merci. Eh bien,
Si j'ai bien compris, tu t'intéresses à la physique quantique, c'est ça? Ouais, si on veut. Disons que c'est une nouvelle passion. Le levier. Il y a des leviers près des rails de chemin de fer pour modifier la direction des trains. Est-ce que je peux... Bien sûr, pas de problème. Le levier, c'est comme les actes, les décisions que je choisis de prendre dans la vie. Et ces actes peuvent changer le cours des choses. C'est intéressant, mais vous aviez pas parlé des différents mondes. Des différents univers? Ouais. Allons-y simplement. D'accord? En physique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la matière n'est pas quelque chose de solide. C'est de l'énergie concentrée constamment en mouvement. C'est-à-dire des vibrations. Tout est vibration. À partir de là, des théories de grands physiciens ont posé l'hypothèse qu'on pourrait canaliser ces vibrations-là pour ainsi déchirer l'espace et le temps. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait voyager à travers les différents mondes? Eh bien, c'est très complexe. Hein? Et la science n'a malheureusement pas trouvé réponse à cette question. En fait, les scientifiques considèrent plutôt qu'il s'agit de mythes, de simples rêves, de fantasmes, quoi. Mais, de leur côté, quelques chercheurs ont mis au jour certains récits fondateurs. Et ces récits parlent de l'utilisation d'objets mythiques, de rituels, permettant d'obtenir des résultats peut-être semblables à une canalisation d'énergie suffisante pour induire le transfert entre les univers. Bon. Là, vous savez que pour que ça marche, faut être sérieux quand même. Ben, pas tant que ça. Ça reste un jeu. Ben, pas vraiment. Surtout pas cette planche-là. T'aurais pas dû amener ça au sérieux. Et puis c'est vrai que c'est pas un jeu. T'sais, qu'est-ce qu'on fait là, si ça marche pour vrai? Ben, on verra. On l'a fait-tu la game? Tu sais que c'était pas un jeu. Vlyn? Ah ouais? Bon, là, faut choisir quelqu'un qui va poser des questions. Qui veut le faire? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est-tu vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Symbole, un rapport avec les transferts d'univers. Wait. Où est-ce que tu as vu ce signe? Il faut que je parte. Pourquoi? Ils sont d'après moi, faut pas qu'ils le trouvent. Attends! Cache-toi là. On a encore des choses à se dire tous les deux.
Mr. Goldberg? Pieux! Si tu sors, ils vont te voir. Puis s'ils rentrent, je m'en occupe. Le lien entre la physique et les mythes n'avait jamais été aussi clair. Et c'est alors que j'ai dû tout arrêter. Oui. Oui, salut. Écoute... Est-ce que je peux te rappeler plus... dans 2 minutes? Qu'est-ce qu'il y a? Comment, quelle nouvelle? Attends. Tu es en train de me dire qu'on va devoir tout arrêter? Après tout ce temps, après tout cet argent, après tous les efforts qu'on a mis dans notre recherche, ils nous coupent. Ils ne peuvent pas faire ça, ils n'ont pas le droit. Et toi, tu es d'accord avec eux? Quoi? Fuck you! L'idée d'arrêter, alors que nous étions si près de changer la façon même de concevoir la réalité, m'apparaissait totalement insupportable. Ça va? Ce fucking PNA. Ils ont tout coupé. Toutes mes recherches, toutes les heures que j'ai mis à creuser, à quantifier le phénomène. Ça va aller. T'as réussi, non? Prouver que t'avais raison. Yeah. Ils ont peut-être pas tout à fait tort non plus quand ils disent que ça peut être dangereux. C'est quoi? Quand je vais revenir de Vancouver, on va se faire un week-end, juste nous deux, puis on va arranger ça. OK? J'aime l'idée. Et je t'aime, toi. Puis vint ce jour.
façon à ce qu'elle ne prenne pas ce train. Dans un monde où elle serait toujours là. Peu importe les conséquences. Mais là, on dirait que tu veux un fantôme. C'est assez. Je dois passer à autre chose. La police m'a tout raconté, Anthony. Je connais ton histoire. J'ignore comment tu es arrivé jusqu'ici, Anthony. Mais... cette vie n'est pas la tienne. C'est pas la tienne non plus. Me regarde. Ça me regarde aussi maintenant. Au sujet de l'absence de ta sœur dans ce monde-ci, la seule explication à laquelle je puis penser, c'est l'effet papillon. L'existence de ta sœur a un rapport avec la mort de ma femme. Attends, là. C'est quoi le lien entre ma sœur et ta femme? Je ne peux pas tout t'expliquer, Anthony. Tout ce que je peux te dire, c'est que dans ce monde-ci, ta sœur n'est pas là et que ma femme est en vie.
Ma seule conclusion, c'est que dans l'autre monde, ta sœur a eu une influence déterminante sur le fait que ma femme ait pris ce train. Puis, je fais quoi, moi? N'a qu'à faire le processus inverse. J'ai déjà programmé la planche. Je peux le faire à nouveau. Mais la planche est où? Je l'ai cachée dans mon bureau à l'université. Imagine juste que le Ouija est fondamentalement plus ancien que ce que l'on croit. Nous avons oublié sa vraie nature. Ce que nous appelons des phénomènes paranormaux pendant les parties de Ouija ne sont en fait que de mini-failles entre les univers qui, à cause de la force des vibrations, ne peuvent pas s'ouvrir au complet. Les ancêtres de nos ancêtres ont réussi il y a au-delà de 2000 ans à créer un objet capable d'utiliser à 100% ses vibrations. Mais aujourd'hui, avec nos Ouija, nous n'apercevons tout au plus que des hallucinations fantomatiques, de simples mini-failles entre les univers. Juste des aperçus de ce qui se passe ailleurs. Mais c'est dimanche aujourd'hui. L'université est fermée. Nous irons demain matin. En attendant, tu peux te reposer ici si tu veux. Ben, merci, je... Y a pas de quoi. Un petit conseil. Tu devrais prendre une douche. Sans offense. T'as dit quoi à mon père pour me baquer? Je lui ai dit la vérité. Que tu m'avais écrit un courriel et que nous allions nous réécrire pour nous fixer rendez-vous. Puis il a pas insisté. La chance que je décide de te cacher chez moi était plutôt mince. Il n'avait aucune raison de me suspecter de t'aider. Eh bien, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'on arrive bientôt? Oui, on arrive. Thank you.
que tu fais? Dis-le! Dis-le que je suis pas fou! Don't bridge! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Non! Lâchez-moi! Fais quelque chose! Fais quelque chose! Lâche-moi! Lâche-moi! Ok, ça suffit! Oh non, pas toi! Hey! Pas toi! Je retourne en dedans! C'est fini! Non! 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 Je ne pouvais pas faire autrement. Il ne sait pas que nous sommes liés maintenant. Ça n'aurait jamais dû arriver. Et personne ne devra le savoir.